Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre lecture énergétique du mois d'octobre 2023. Donc pour vous, cancer, ascendant cancer, lune en cancer, ou si vous avez le signe du cancer dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors ça va être un joli mois d'octobre, vous fuyez quelque chose, mais on va y revenir parce que ça a un rapport avec votre bien-être. On a quand même la carte, alors je vais dire, de héros, l'amour. Ici, donc, en énergie principale, vous avez aussi la déesse intérieure, la foi. Vous avez un support. Vous avez un support des supporters là-haut, là, qui vous guide, euh, qui, vous, qui vous protège aussi de quelque chose. Mais vous avez assez d'intuition, hein, roi de coupe, pour avoir appris la leçon et surtout préserver vos énergies, euh, assurer une stabilité émotionnelle continuer à aller de l'avant et surtout briller. Hein. On a la reine de bâton euh, dans le sentimental. Donc euh, voilà, au niveau du pro, on va aller voir. Hein, le 6 de coupe. peut parler de, de l'enfance, du monde de l'enfance, tra de travail dans l'enfance. Ça peut aussi parler de recoller à quelque chose de plus simple, de simplifier les choses. Donc on va voir, c'est ce 7 d'épée là qui nous intrigue un petit peu plus. Mais on n'oublie pas, ici, on a la reine de denier et ici, la reconnaissance, clarté d'esprit. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, et forcément mes actions, mes pensées vont s'aligner avec tout ça. Donc au niveau de mon environnement familial, professionnel, sentimental, il y a des choses qu'on règle, il y a un bilan, hein, voilà. qu'est-ce qui me perturbe énergétiquement, qu'est-ce qui me... qui nuirait à cette image de déesse intérieure, je dirais, ou qu'est-ce qui coupe votre foi. Hein, ça peut être aussi fuir quelqu'un qui vous dirait mais non, mais lâche l'affaire, nanani. Alors on a le 3 de denier qui nous parle aussi du talent, mais ça peut aussi parler de co-création, soit avec les guides, l'univers, le dieu, la source, l'esprit, ou bien un partenaire de vie. Ça peut être aussi votre talent inné que vous allez exploiter au niveau du travail, ce qui se rapprocherait de l'ikigai, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous servez. Donc on va aller voir tout ça. On parle de déesse intérieure, donc pour vous cancer, hein, c'est juste magnifique. L'heure est venue, et messieurs aussi, hein, si vous êtes du signe cancer et vous êtes un homme, vous pouvez vous inclure dans cette carte. On parle du yin, du principe féminin d'intériorité, d'émotion, de, euh, de sensibilité, de réception. Hein. En général, la main gauche réceptionne, la main droite donne. Donc voilà, c'est euh, donner, recevoir, c'est le principe du yin et du yang. Donc là, on est dans la réception. On va accueillir les messages, mais il y a aussi de l'action, hein vous n'allez pas rester passif. Donc l'heure est venue d'exprimer votre plein pouvoir féminin par votre sensualité, votre beauté, votre caractère brut et votre vulnérabilité. N'ayez pas peur d'expérimenter la pleine connexion à cette féminité sacrée, cela pourra vous sembler osé, voire dérangeant, si vous avez davantage l'habitude de laisser s'exprimer votre part masculine. Donc l'action, la réflexion... Euh voilà, faire sans conscientiser aussi. Pour vous guider, n'hésitez pas à vous laisser porter par la lune, à vous aligner à ses cycles et à exprimer vos émotions à mesure qu'elles vous viennent. Et pour l'affirmation, j'écoute la déesse en moi et exprime pleinement la sagesse féminine ancestrale et le pouvoir présent au fond de mon a de mon être, pardon, de mon âme, c'est pareil. Alors. Le temple, hein, j'ai vraiment ce, ce côté temple, ce côté euh, je réceptionne aussi, je sais canaliser, je sais écouter mon cœur, je le fais passer en avant. Hein, on voit ici au niveau du travail, il y a une atteinte aussi d'un certain niveau, la maturité émotionnelle, mais l'intelligence émotionnelle. Est-ce que ça vaut la peine, moi en tant que personne, que qu'être complet, est-ce que ça vaut la peine que je réagisse à ça Donc ça peut être des influences négatives au travail, hein ça peut être voilà, des remarques, euh, des cancans, des, re des ragots, des potins, euh, les gens qui veulent tirer la couverture sur eux-mêmes, euh, qui se repaissent de, on va dire, de quelqu'un qui pourrait avoir un petit coup de mou. Donc en fait, aujourd'hui, il y a cette notion de je m'en fiche. là tout ce que je veux c'est justement l'atteinte d'une paix euh, d'une paix intérieure avec le roi de coupe de prendre soin de moi de mes miens, euh, de, mes, de, mes miens de mes proches euh, ce qui ne vous appartiennent pas mais ils sont quand même de la même famille donc ils sont très proches. Euh, et puis voilà il y a le monde de l'enfance ça peut être aussi quelque chose que vous avez abandonné étant enfant et euh, on vous redirige vers ça au moins en termes de réflexion et on vous parle de foi. Alors, là, en amour, hein. euh, Eros, euh, c'est vraiment le. Alors, on a cherché, le... la carte s'appelle comme ça Eros, euh, attraction of the sex, euh, le flirt, le body contact, et en français, chercher la femme. Donc, ici. On vous dit aussi, il y a quelque chose de magnétique hein, dans la déesse intérieure, dans la foi. On vous dit, continuez à, à, comment dire, à générer des, des, des énergies très positives. Tenez-vous loin de ce qui vous, euh, de ce qui vous gêne, hein, là, au niveau du 7 d'épée. On a envie de se tirer quand il y a une énergie de cette DP en face de nous. On le sent en général quand la personne rentre dans la pièce. On se dit oh là là ouais, bon euh, euh, j'ai fini de manger là. Voilà tu vois, au restaurant par exemple euh, d'entreprise. Euh, on, on, des fois, on, une personne rentre et on sentait l'ambiance qui changeait juste par la présence de la personne. et On se disait, bon, il est temps que j'aille vaquer à d'autres occupations et loin de cette personne. Donc, c'est le flair hein, quand on dit, ouais, je peux pas la sentir, je peux pas la flairer, je peux pas la blairer, je peux pas. La... Voilà, elle me revient pas. Euh, ou alors, la sensation d'avoir un moutarde qui montonnait, c'est bien parce que le corps sait. Et. Héros, la déesse intérieure, il y a une notion de corps, il y a une notion d'écouter, ce, ce traducteur du cœur en fait. Hein. Donc la foi, vous allez en revenir justement à certaines choses spirituelles, bulles de protection, euh, on parle aussi d'être transformé, d'être ouvert. Euh, de tester aussi, euh, voilà, quand euh, deux personnes euh, ont besoin de temps, euh, si une personne vous dit ouais j'ai besoin d'espace ou il vaut mieux que pour l'instant on se sépare, en fait en ayant la foi, vous allez vous dire ok mais ça va servir quelque chose de supérieur, donc peut-être qu'il y a des choses dans mes vibrations, peut-être que ces vibrations à elles euh, n'ont rien à voir avec les miennes et qu'effectivement il vaut mieux qu'elles tiennent loin et qu'elle travaille de son côté. Donc euh, en amour, ça peut être le besoin de liberté. Et euh, ça peut être aussi, voilà, quand euh, on a la. Comment dire euh, Quand on a la foi, on sait que ça sert un but supérieur. Donc on reste stable émotionnellement, on continue à prendre soin de soi et on voit bien que ça se déroule, hein, enfin, en fait, que ça se déploie. On est dans le, plutôt avec la foi, on a la confiance, le lâcher-prise, l'acceptation. Donc ces notions-là qui renforcent finalement l'aura énergétique. Euh, que ce soit le corps physique, le corps euh, psychique, etc. Enfin, l'aspect le, le, psychique. En fait, vous êtes stable, structuré. Vous vous placez au-dessus. Dans le sens, voilà. C'est, euh, je me tiens loin de ce qui peut abaisser mes énergies. Et finalement, je préserve, je protège, euh, je pro protège, je protège. Et euh, ça va bien se passer. Alors, au niveau donc de l'enfance, je vous ai pas lu la carte de la foi, pardon. Alors on parle de voyage, de transport maritime, des longs périples, des passagers, le sens de l'aventure, l'exploration. Euh, oui, on est bien dans la maison 9, hein, donc ça, ça correspond au Sagittaire et aussi à Jupiter. On parle de mysticisme, de compréhension d'autres cultures, de relations avec les étrangers, voyager à l'extérieur de soi-même, les parcours spirituels, les visions, le savoir. Euh, Ésotériques, les explorations occultes, la sagesse mystérieuse, l'astrologie, la divination. Alors, sous ces formes les plus anciennes, on vous dit. Voilà, donc ça peut être la lecture de la paume de main, euh, ça peut être euh, avec des osselets, ça peut être, euh, voilà, avec, euh, euh, je pense notamment, oui, au vieux, vieux tarot de Marseille, hein, donc avec des significations qui ont changé avec le temps. Euh, mais on en revient voilà, au, au truc de base, hein, c'est-à-dire que c'est à l'époque euh, ouais, médiévale. Donc euh, forcément, on ne va pas dire Oh, le diable, c'est cool, vous allez gagner beaucoup d'argent. Non, c'est moche. Donc voilà la prière, la demande de prière, la grâce, la protection spirituelle, la religion, euh, tout ce qui est chevaux, chiens et bétail, la chance ou la malchance. On parle aussi de divination, euh, d'éducation, des églises et d'astrologie. Alors j'ai noté quand même pour vous, cette carte en main, il est temps de considérer vos projets imminents en ayant une vision très large. Cela signifie que vous devez vous extraire de votre quotidien pour atteindre vos objectifs, donc de grands voyages, des expéditions, etc. La maison neuve est celle des explorateurs et des pèlerins, ceux qui ont une quête et une destination. Donc définissez là où vous voulez aller et... Euh, ne pas vous en remettre à l'univers, hein. c'est-à-dire vous êtes un principe actif, euh, notamment au niveau euh, du sentimental. Hein. On voit que la reine de bâton, elle ne laisse pas les choses se déployer en mode euh, bon, bah, je vais attendre que ça me tombe dans les mains. C'est-à-dire, comment je peux faire pour euh, engranger. Alors là, je me rends compte que la lumière, alors c'est du violet, mais je sais pas si vous voyez bien. Bon, si, ça se voit quand même. Allez, je bouge plus. Donc, cette reine de bâton, elle euh, ne reste pas passive, elle n'attend pas que les choses se produisent. Elle va vaquer à ses occupations, confiante dans le fait que ça se déploie, même si elle ne le voit pas. Elle a quand même son intuition, le chat noir représente tout ce qui va être caché, tout ce qui est mystérieux. Le chat voit hein, ce que nous on ne voit pas, donc elle sait, elle l'a comme compagnon, comme familier. Elle tient un tournesol, ce qui symbolise aussi la force, le soleil. Elle se tourne vers la lumière, c'est-à-dire qu'elle a le principe actif. Du bâton, elle a euh, l'arme dans le savoir-faire, dans le mouvement. Elle est toujours motivée. Hein le feu, le, mo le, le, le bâton, le feu va représenter euh, l'âme, va représenter l'animation. Donc une fois qu'on ressent, euh, une fois qu'on qu qu a, voilà, c'est mon cœur qui parle. Euh, je ressens que c'est comme ça parce qu'il y a le corps qui va traduire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on a ensuite le mental qui décide. Euh, je quitte. Et là, alors, vous avez ce, ce... Enfin, les choses qui bougent, se euh, mouvoir, bouger, le mouvement, tout ça, c'est le feu. Voilà. Donc, tout ça, c'est le, le principe du bâton. Et aujourd'hui, il y a une atteinte. Hein. On voit la reine de bâton, le roi de coupe. Donc, ça peut parler aussi euh, de... de trouver quelqu'un à sa juste mesure. Voilà. Parce que vous avez pris le temps de vous valoriser. Reine de denier, 6 de bâton. On ne demande, euh, demande pas aux autres. Alors, tu en penses quoi Est-ce que ça me va bien Est-ce que machin Non, c'est la reine de bâton. Elle se dit ah ouais, ça me va bien. J'ai de la chance, cool. Allez, elle passe à la suite. Vous voyez, donc il y a plus cette nécessité de s'en référer aux autres. Ce qui peut faire bizarre aussi, il hein y a peut-être des résistances. Hein Les gens qui vont dire mais qu'est-ce qui t'arrive Oh, t'as vu, elle a changé et tout. En parlant de vous, et vous allez vous dire bah oui, mais encore heureux. Maintenant, euh, voilà, moi je suis là-haut, toi t'es resté là. Euh, écoute euh, adapte-toi quoi. Voilà. Bon, alors ce 6 d'épée, euh, ce 6 de coupe, pardon. Et 7 d'épée, 6 de coupe. Donc ce 6 de coupe, il va nous parler du monde de l'enfance, il va nous parler de recoller à quelque chose de plus simple, de simplifier votre vie au niveau euh, du professionnel, on parle de légèreté. Alors on parle aussi du plaisir de faire, de pla plaisir d'y aller, plaisir de partager. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde parce que justement, il y a ce set d'épée, Donc, sans plus attendre, il est où Ah oui, je l'avais préparé. J'avais mis à côté parce que je me suis dit, ça, avec un set d'épées, euh, ça concernera pas tout le monde. Hein, avec la joie dans le ventre d'aller au boulot. Alors, ça peut être dans vos projets de reprendre quelque chose que vous aviez abandonné depuis longtemps et vous aviez une sorte de, je dirais, dans les vibrations, dans l'énergie, euh, une sorte de pas culpabilité. Parce que vous ne le euh, conscientisiez pas comme ça, mais plutôt euh, ouais, comme une épine dans le pied, mais sans savoir ce que c'est. Voilà, j'ai une petite gêne, vous voyez, mais inconsciente. Et là, euh, en reprenant ça, vous allez tout de suite savoir hein, ce, que, ce, que ça veut, ce que ça signifie. Alors, ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit 7 de coupe. J'ai dit 7 de coupe, non Ou 6 d'épée, je sais plus. Ah, 8 d'épée. Bon. Oui, culpabilité, effectivement. Là, avec le roi de coupe et le chariot, en allant jusqu'au bout, effectivement, vous vous retirez ce, cette hémorragie. Euh, je dirais que le 3 d'épée, c'est un poignard dans le cœur, mais c'est aussi une hémorragie qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire quelque chose qui ne passe pas, quelque chose qu'on ne digère pas, sans pour autant forcément l'avoir conscientisé. Une fois qu'on l'a conscientisé qu'on passe à l'action et qu'on est stable émotionnellement, fier de soi, atteinte de l'objectif, réussite. En fait, on en tire une immense satisfaction. Donc là, on vous dit passez à l'action. Il y a de multitude d'options. Donc avec le, le 7 de coupe et le 8 d'épée, ne vous focalisez pas sur la logique. Hein, C'est vraiment ce qu'on vous dit ne vous focalisez pas sur la logique. Il n'y a pas de logique. L'univers, il va pas dire bon bah puisqu'elle a fait ça, il va se passer ça. Puis ensuite, il va se passer ça. C'est plutôt, OK, elle est sur une vibration de culpabilité, euh, donnons-lui une situation qui va la maintenir dans cette vibration de culpabilité. Si vous vous dites, OK, il y a plein d'options, les miracles existent. Hein, cette deux coupes, c'est l'imaginaire, mais c'est aussi, euh, je, je, je donne souvent cet exemple des cadeaux de Noël. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que dans l'eau, vous savez pas encore lequel, mais vous savez que dans l'eau, il y en a un pour vous. Là, c'est pareil. Vous savez que dans l'eau, l'univers a un miracle pour vous. Donc, connectez-vous à l'énergie de recevoir ce miracle en étant déjà dans la gratitude. Hein, c'est un 6 de coupe, ça, gratitude. C'est comme un enfant qui va dire, oh, trop bien, un caillou. Voilà, c'est tout. Et qui va dire, oh, j'ai trop de chance. Il va se sentir chanceux d'être tombé sur un gravillon, quoi, enfin un gravier, vous voyez. Bon, là, c'est une labradorite. Hein. Voilà. Moi, je suis chanceuse de l'avoir et de travailler avec elle. Mais, c'est vraiment la joie des choses simples qui va vous extirper d'un sentiment de gêne, euh, comment dire, qui, qui n'est pas forcément identifié. Mais c'est aussi euh, le mental qui va construire des croyances autour de ça. C'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Imaginons que vous voulez monter votre boîte. Et vous vous dites, bah ouais, mais je ne vois pas comment je pourrais, euh, je ne suis pas éligible à un financement, euh, je ai aucune aide de la région, euh, la municipalité, fermée, euh, enfin, elle m'a rayonné, puis elle m'a fermé euh, la, la porte au nez, euh, etc. Donc en fait, vous restez dans une sorte de logique qui n'est qu'une qu circonstance d'une vibration passée, c'est-à-dire je n'en suis pas capable. Il y a forcément une origine dans votre croyance, dans votre subconscient, hein, qui, crée, enfin, qui, qui stocke toutes les croyances, où vous vous êtes dit, ça n'arrivera jamais. C'est peut-être ça que vous avez abandonné et avec lequel aujourd'hui vous n'êtes plus d'accord parce que vous avez les ressources pour. Maintenant, il faut recoller à qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez demain et vous aligner en vous disant, OK, le 8 d'épée, là, euh, quand vous partez dans cet état d'esprit, on va dire, vous allez vous dire, Ouais non, alors là c'est mon mental, c'est la, la personne que j'étais avant, euh, la version de moi avant, euh, qui ne voit pas de solution. Par contre, alors, je ne vais pas dire que Noël existe, mais l'univers, il a des ressources que nous, on ne voit pas forcément. Donc, il peut faire appel à ces ressources pour créer les circonstances, pour euh, créer des événements qui font que. Donc, voilà, si ça concerne... Euh, J'ai une anecdote, Enfin, hein, euh, voilà, vite fait. Euh, J'avais... Euh, fallait que je, je trouve assez d'argent pour rentrer en France. Et en fait, euh, le billet était à 1200 euros. Et je me suis dit, il y a forcément une solution. Je suis allée à la plage, donc rien à voir. Hein. Je, je, suis allée, je me suis dit, bon bah là, puisque je ne peux rien faire, autant aller me détendre. Je vais à la plage, je croise quelqu'un qui me dit Eh hey, mais ça tombe bien, je repars dans deux semaines et tout, je rentre en France. Ah oui, et mais euh, les prix des billets, euh, ah oui, mais je passe par Bruxelles, c'est moins cher. Bah merci la Belgique, on va faire donc euh, comme ça. Hein. Et finalement, euh, bah, tout s'est goupillé pour que je puisse rentrer. Parce que moi je me suis dit, de toute façon, je rentrerai. Il y a forcément un moyen, il y a forcément une solution. Et j'ai été vaqué à mes occupations en me disant, voilà, ça ne sert à rien de me pencher dessus. J'ai peut-être pas, enfin, euh, dans ma conscience humaine, euh, j'ai peut-être pas les ressources euh, qui fait que là-haut, euh, sur Jupiter, il se passe des trucs, vous voyez. Donc, je ne peux pas avoir ce champ de vision-là aussi élargi. <laughs> je lâche l'affaire. L'univers s'en occupe. Ça, c'est la foi. Voilà, c'est la pratique de la foi au quotidien après on peut pas euh, voilà vous pouvez prier ça peut être ritualisé ça peut être acté hein, la foi brûler une bougie enfin euh, brûler une bougie euh, allumer une bougie et prier devant pendant trois heures euh, moi il y a des fois hein, je vous montre voilà j'ai euh, euh, j'ai brûlé une bougie j'ai brûlé une bougie j'ai allumé une bougie et pendant neuf jours elle a fait son travail et euh, elle a libéré des choses donc en fait euh, cette pratique-là, en faisant quelque chose, c'est la seule chose que vous puissiez faire. Vous ne pouvez pas contrôler les événements, la météo, euh, les gens, etc. Donc, le mieux, c'est de se dire, il y a forcément une solution. Donc, là, on est vraiment dans l'intériorité, puisque même le 8 d'épée euh, vous renvoie à vous-même, vous renvoie à vos pensées, votre méthode de pensée. Euh, euh, donc, on se sent coincé avec un 8 d'épée, mais en, en revenant au cœur, en revenant aux choses simples, Faites aussi un bilan de ce que vous avez pu accomplir hein, avec l'incette de coupe. Vous pouvez très bien vous dire « Ah oui, mais c'est vrai que ça, c'est en 2013 quand j'ai eu la voiture, alors que nanani, euh, ça, c'était en 2015 euh, quand euh, machine a fait machin et que ceci et que cela. » Vous voyez, enfin bon, je ne je, je vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez comment vous pouvez utiliser votre imagination pour vous dire « En fait, en réfléchissant bien, là, je me concentre sur les choses qui ne sont pas possibles parce que c'est l'ancienne version de moi. » qui croit encore que ce n'est pas possible, la nouvelle version de moi, elle l'a fait. Donc il y a forcément une solution. Maintenant, ce n'est pas parce que je ne la vois pas qu'elle n'existe pas. Hein. Quand il y a un cadeau de Noël qui n'est pas encore déballé, euh, sous l'arbre, je sais très bien qu'il y en a un pour moi. Donc c'est ça aussi la pratique de la foi. Je sais. Et c'est là que vous revenez au cœur. Alors, roi de coupe. Reine de bâton, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous en stock Oh, 6 de coupe. La papesse. Oh, chaos et conflit. Hmm. Alors, c'était le bordel. Donc, il peut y avoir un silence, mais euh, regardez, le pape, la papesse, ça travaille dans l'invisible, dans là, pour gagner en maturité. Alors, encore une fois, vous recevez des messages, euh, vous captez hein, la papesse avec. Euh, ouais, c'est la médium, hein, c'est celle qui. Euh, euh, la gardienne des secrets, on a euh, quelque chose qui veut sortir. Ah, attendez, parce que là, le 6 de coupe, en amour, il nous parle de regret. Alors, peut-être revenir aux choses simples, revenir à vous-même. C'est plus simple comme ça. Mais c'est aussi euh, le partage. Le 6 va représenter l'amour, la communication. La papesse représente le silence. Donc, il y a mm -hmm, des situations où, en fait, vous avez été... Hop, shut down, on vous a, stop, peut-être même bloqué, hein. mais vous êtes obligé d'en revenir à vous-même, euh, de cultiver cette déesse intérieure. Donc, euh, euh, je ne vais pas dire que vous allez prendre des, des, des bains de lait d'anais, hein, mais euh, voilà, au moins, vous chouchoutez pendant ce temps. Euh, revenir aux choses simples, aux basiques, la joie, l'innocence, l'enfance, la pureté, voilà, euh... il <laughs> y a un regret. Je ne sais pas qui. Je vais attendre les oracles pour euh, développer ça. OK Allez, on passe à la suite. 7 d'épée. Ça peut être quelqu'un, justement, qui s'est un peu tiré comme un voleur. Alors. Oh, tempérance. Regardez ce qu'il a voulu sortir. 4 de bâton derrière. Roi de denier. 10 de denier. La tour. Ah oui, il y a quelque chose qui est en train d'être pacifié. Ouais, c'est pour ça que vous avez été. Euh... Alors, je, je pense que. Alors regardez bien la vidéo de la pleine lune parce que je pense qu'il y a des messages pour vous. Voilà, je dis pas plus, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, vous avez été éloigné d'un truc pour en revenir à votre système schéma pensée-émotion. D'accord Émotion, pensée, création, imaginaire, intuition. Comment faire la distinction entre vos pensées anxiogènes, intrusives, négatives, euh, étouffantes pour alléger votre lien à l'univers, j'ai envie de dire, et aux autres et tempérance, là une intervention. Donc même si ça, vraiment ça sent mauvais, hein, on va dire ça comme ça. Même si ça sent le sapin, euh, n'oubliez pas que vous avez, euh, voilà, des. Je vous ai dit dès le début, vous êtes protégés. Enfin, il, y une... ouais, il y a une protection. Alors ça peut être vos ancêtres. Ouais, il y a un truc qui est éclaté pour qu'il y ait un nouveau départ. Voilà, je vous le dis comme comme je le ressens. Mais pour que ça puisse être assuré dans la longévité, euh, il y a un nettoyage du lien. Je dirais un lien, ça peut être un attachement euh, toxique dans le sens euh, évitant et euh, anxieux. Voilà, quand quelqu'un est anxieux, l'autre va éviter. C'est-à-dire euh, euh, pour vous donner l'image que j'ai. Quelqu'un qui vous parle à 2 cm de votre bouche, euh, qui va répéter toujours la même chose. Alors, 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 alors. Vous, vous allez faire quoi Vous allez reculer. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un. Allez, on recule un petit peu, on s'éloigne, on écarte un petit peu là pour faire le vide, pour faire le. Voilà, pour euh, revenir un petit peu à l'essentiel et nettoyer ce qui a nettoyé, notamment au niveau des croyances, culpabilité. La culpabilité, la honte, ce sont les deux vibrations les plus basses. Donc c'est, euh, je mérite pas. Hein, c'est la haine de soi. C'est le contraire de l'amour de soi. Et donc pour arriver à ce stade-là, c'est l'amour de soi, clairement. Hein, donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de partenaire bien défini ou une situation bien définie. Là, ça concerne tout le monde. C'est chaque j'allais dire chacun pour soi. Non, c'est en fait on en revient à soi pour pouvoir être là pour l'autre, pour pouvoir être bien avec l'autre et que l'autre soit bien avec nous. Donc ok, euh, roi de coupe. Insouciance. Oh, quête de bâton, ok donc on y est. Euh, C'est vraiment ça le sujet. C'est-à-dire il y a les liens qui se purifient. Je pense aussi que vous nettoyez une forme de pensée, euh, pensée, émotion qui ne date pas d'hier et qui ne date même pas de vous. Euh, dans le sens où ça peut être un bagage émotionnel familial, euh, une croyance familiale qui est perpétrée de génération en génération, notamment au niveau des liens, de l'authenticité, euh, au niveau de... Du fait de garder quelqu'un, de garder, quel... enfin, garder quelqu'un, de, de garder la relation intacte et pure en alimentant de petites choses simples, voilà, c'est-à-dire, ouais, mais moi, 40 ans avec la même personne, euh, voilà, c'est... Euh... Euh, dans la famille, euh, ma grand-mère, elle a perdu son grand-père, Nanani, euh, euh, ma mère ceci. Enfin voilà. Donc moi, euh, voilà, en ayant reçu ce modèle, alors ça peut être père et grand-père et petit garçon et vous euh, maintenant en tant qu'adulte, hein, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait d'être attrayant, attrayante, avec la reine de bâton pour susciter. Alors, même dans le boulot, hein, c'est-à-dire là, c'est l'attraction, c'est le magnétisme, DS intérieur, c'est vraiment ça, c'est-à-dire j'ai ce pouvoir, euh, je suis en capacité de, je m'autorise, je peux le faire, c'est-à-dire j'ai le pouvoir de le faire. Moi, je dis pas je peux, parce que c'est comme si je demandais est-ce que je peux, euh, s'il vous plaît, est-ce que je peux. Non, j'ai le pouvoir de, c'est plus puissant. On ne demande pas d'autorisation. Après on est poli, hein, bien sûr on est on est civil, là. On, on vit avec les autres, mais euh, voilà, je m'octroie le droit de. Je m'autorise à. Vous voyez Et ça, en fait, ça va vous délester d'une forme de euh, ouais, mais si ça se trouve ceci, si ça se trouve cela, alors il y a le couple quand même qui ressort. Hein. On va aller voir, on va prendre une énergie ici, une petite carte par-ci, une petite carte par-là, avant de déployer un petit peu le sentimental. Alors, sur quelle corde vibratoire et énergétique êtes-vous Oh, les soulmates Bon, ben voilà, un vent de changement. Oui, donc euh, oui, <laughs> vous avez... Euh... Voilà, je peux arrêter là la vidéo, c'est bon. Hein. Vous avez... Que vous ne l'ayez pas encore rencontré, que vous l'ayez déjà rencontré, même si la situation, je vous dis, sans le sapin, gardez en tête que vous avez élu cette personne, vous avez érigé... Euh, vous, vous êtes érigé au rôle de... Voilà et euh, vous avez élu tout simplement. Alors là, on a les, la carte des amoureux. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, hop, j'essaie de zoomer. On dirait un peu la Joconde ou où... ouais, voilà. Vous voyez Bon, elle est là. Hein, elle veille et euh, elle, ressemble... elle ressemble, un peu à tempérance. Voyez, on a là. Attendez, je ouais, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Pour moi, elle ressemble à la tempérance et oui, vous êtes protégé. De toute façon, le lien est protégé. Donc, ayez la foi parce que ici, ça va bien se passer quand même. Voilà. Malgré, malgré les circonstances qui peuvent paraître vraiment pourries, on vous dit gardez confiance. Juste éloignez-vous de certaines choses qui nuisent à votre sérénité. Sérénité, sécurité, j'ai lu au début. Alors, guide, introspection. Hop là, hop là, hop là, alors, illusion, multiple choix, stabilité. Ouais, arrêtez votre... Enfin, en fait, la, la... ce qui serait bien, c'est vraiment, ok, maintenant que c'est clair, euh, j'ai vraiment l'image de, de quelqu'un qui tape euh, sur Google voilà, et qui va dire, mais attends, mais qu'est-ce que je vais taper là Qu'est-ce que je recherche en fait Vous voyez Donc une fois que c'est clair, la recherche est claire, les résultats sont clairs. Hein, si par exemple, euh, je ne sais pas, au restaurant, vous dites, oh, je ne sais pas, euh, j'ai envie de manger, j'ai envie de boire, j'ai envie de euh, tout ça. Ouais, ok, d'accord, mais faut que je détermine maintenant. Donc si vous êtes encore dans, ah non, non, hein, je veux pas de moules. Ah s'il vous plaît, pas les moules, parce qu'en 2013, je suis tombé sur une moule, laisse tomber. Donc non, non, non je veux pas de moules. Le serveur, il va vous dire, bah oui, mais du coup, quoi <laughs> Ou alors vous dites, ah bah j'ai euh, faim, mais j'ai pas envie de manger. Bah pareil. Vous voyez, c'est contradictoire en fait. Bon, après, vous pouvez attendre, mais en fait, vous allez attendre. Le, le, le menu sera proposé. Bon, ben là, on a l'engagement. Ça y est, vous allez décider. C'est l'engagement. Alors, pour les personnes qui sont vraiment, mais vraiment perdues, euh, qui ne savent pas comment appliquer, par exemple, le lâcher-prise, notamment s'il y a des triangulaires, hein, euh, et que c'est une circonstance vraiment qui émotionnellement vous fait tourner en rond. J'ai créé un atelier, c'est donc trois heures en one-to-one, one, donc euh, je vous ai au téléphone, voilà, je vous appelle. Euh, une fois que la commande est passée, hein, bien sûr, donc on se cale la première heure. Et à partir de la première heure, donc je fais un topo, bah, comme j'ai fait là, avec les cartes, ce qu'il y a de stocké dans votre subconscient, vos croyances, vos traumas, euh, vos bagages, vos réflexes, vos attitudes, vos comportements, même inconscients, et à partir de là, je crée un workbook juste pour vous. Donc, vous n'avez pas un, le même euh, euh, qu'une autre hein, qui serait passée avant ou qui passera après. C'est vraiment un modèle par rapport à ce que j'ai cerné de votre situation. Et de là, il y a des exercices. Ensuite, il y a des, euh, la création, vous, vous aider à vous lancer, à vous créer vos propres outils, ce qui fonctionne avec vous. Euh, des liens, vidéos, des, euh, des outils, euh, des images, des voilà, qui vont vous aider à imprégner euh, en fait comment faire pour machin. Donc après sur Patreon, j'en profite parce que c'est vraiment le sujet euh, en ce moment qui est travaillé sur euh, ma plateforme Patreon, le lâcher prise pour susciter justement l'engagement. Donc le lâcher prise, euh, comment réussir à lâcher prise quand les circonstances sont vraiment pourries, ça c'est une vidéo que j'ai proposée. Donc sur Patreon, c'est 3 euros par mois et vous avez du contenu tous les jours, déjà en tirage journalier, en exclusivité, en avant-première, ou sinon euh, moins cher que sur le site web. Voilà. Donc maintenant, on va aller voir ici, on a l'engagement. Donc stabilité. Pour l'instant, alors, il va falloir stabiliser. Et euh, s'il y a par exemple une situation qui vraiment vous perturbe, un machin qui est retourné avec, euh, euh, avec euh, est, enfin, la personne dont il parlait vraiment négativement en disant jamais je retournerai avec, il est retourné avec, est-ce qu'il n'y aurait pas une résonance aussi avec euh, certaines, euh, certaines pensées C'est-à-dire quand on fait exister une peur, elle finit par se matérialiser. Donc d'où ça vient hein Alors le pardon qui a voulu sortir. Ouais, en pardonnant, ça va vous redonner de la sérénité. Vous allez vous enlever, euh, euh, par exemple, de l'amertume. Vous voyez, l'amertume, euh, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Donc, résistance. Alors, automne. Pardon, succès automne. Déjà, vous allez réussir à pardonner sur l'automne. Harmonie. Ok, rapidité. Transformation. Ça se transforme rapidement après. Ah oui, lenteur. Parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous bloquez le mouvement. Hein, les doutes, vous, vous vous libérez des doutes. Vous savez, vous savez. Si vous savez, vous ne pouvez pas douter. Quand vous croyez, vous doutez. Euh, J'en réfère à Morpheus. Euh, bonjour à toi. Voilà, qui ne peut pas nous regarder. C'est un personnage imaginaire dans Matrix. Donc, c'est le mentor de Néo. Et il lui dit, on n'est pas meilleur quand on le croit. Mais quand on le sait, il fait référence au cœur. Quand ça vient de l'intérieur, quand vous le savez, vous êtes indestructible. Euh, un des... Euh, voilà, en fait, on ne peut pas vous, vous perturber. Il y a imperturbable. Voilà, je cherchais le mot. Alors, ici, un petit message. Alors, dans la situation... Ouais, je vais prendre celui-là. Allez, vous allez réussir, hein Croyez en vous, vous allez réussir. Et si vous ne savez pas d'où partir, je suis là. Moi, j'ai la neutralité, le détachement pour pouvoir interpréter, pour pouvoir vous donner aussi des clés. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Je suis là pour ça. Bon, alors maintenant que c'est dit, on a le fardeau. Ouais, il va falloir se. Oui, bon, bah vous le coupez, c'est bon. Alors, c'est dans la maison et le rapport aux autres. Voilà, qui fait qu'ensuite vous pouvez Enfin, euh, vous clarifier en fait la direction que vous voulez prendre. Alors on parle de temps. 36, 37, c'est marrant. Ouais, quelque chose qui va se débloquer dans le temps. Est-ce qu'il y a eu une grosse dispute Là, il y a eu une grosse... Euh, ouais. Il y a aussi euh, des schémas répétitifs que vous balayez qui datent de, de bien avant. Donc laissez le temps au temps parce que là, le temps est en votre faveur. Oui, on a l'ours. Ah Ça prend de l'ampleur, hein. il y a du travail aussi. Alors peut-être que la personne euh, euh, triangulaire, ça peut être aussi la personne qui vous met de côté, elle vous fait passer après tout. Hein, même un truc où euh, vous dites non, mais attends, là, elle me fait passer après sa vaisselle, ça va quoi. Enfin, la vaisselle, on peut la faire à deux si elle veut. Hein, mais non, 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 euh, après, voilà. On a l'étoile. Il y a un retour à l'espoir. Euh, c'est bon, 6 de coupe. Enfin, euh, 6 de cœur, valet de cœur, roi de cœur. Ok, donc, euh, non, pique, pardon. Et là, on a cœur. Alors, mais c'est positif le pique dans le, le normand. Alors, ok, on a quoi ensuite pour vous. Le jardin, la vie sociale, ouais, et la récolte. La récolte après un temps euh, d'isolement, je dirais. Voilà, où les choses étaient un peu... Euh, elles se dérobaient à votre vue pour vraiment que vous puissiez n'en référer qu'à vous-même. Vous voyez cette personne, je la vois comme euh, euh, Vénus, hein, elle représente... Euh, voilà, son collier représente Vénus. Tout à l'heure on a eu Mars euh, dans le pendant masculin. Mais c'est aussi le coup. Enfin, Mars va représenter le courage. J'ai le courage de faire. Et Vénus, j'exprime. Alors, j'exprime, c'est pas comme Mercure. C'est j'exprime à travers l'art. Et regardez ici. Mars et Vénus. Voilà. Bon. Alors, ici, un message. Et on en a fini pour le mois d'octobre. Hein, cela dit, après, il va se passer des choses. Hein. Je vous invite quand même à regarder les autres vidéos. Notamment une qui, que j'ai beaucoup. Enfin, J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est la vidéo de la pleine lune euh, qui sort normalement aujourd'hui. Alors on a quoi On a ici cassure. Quelque chose s'est brisé. Notre relation est profondément abîmée. Euh, on a qui es-tu vraiment Enfin qui es-tu euh, Qui es-tu vraiment Voilà. Euh, et on va prendre une dernière carte. Ah oui, retrouvaille. Je me prépare à te rejoindre. J'arrive, je reviens. Euh, oui, mais il y a eu effectivement cette cassure et aujourd'hui une redéfinition, redéfinition, voilà, parce que comme ça vous pourrez donner le manuel. Donc c'est ça qui est en train de changer. Parce il y a eu peut-être des perturbations, voilà, avec euh, euh, des événements, enfin euh, des, des énergies tierces qui se sont euh, mises euh, entre vous. Mais ça va se décanter. Alors, ce ça, ne ça sera peut-être pas au mois d'octobre. Là, est-ce qu'il va y avoir une, une, des retrouvailles Est-ce que les. Quelle carte va sortir Tout simplement. Allez. Hop là, fardeau. Ma vie me pèse et me Je me sens enchaînée. Je porte un fardeau. 8 et la croix. Ici, c'est pareil. Et se lancer, il est temps de se lancer. Je suis prêt, prête. C'est le bon moment. Ok, et on va en prendre une dernière. Bah tiens, ce qui me reste dans la main. Voilà. Je vous laisse choisir. Alors, je vais toutes les retourner. Attendez, je vais les mettre comme ça. Ça va être plus simple. Hop, hop. Et vous choisissez. Voilà, faites-vous plaisir. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites pause. Voilà, il y a 8 cartes en plus. Donc, faites pause. Et j'y vais. Alors, première en haut à gauche, communication. Ensuite. Deuxième, tierce, il y a une énergie tierce entre nous, une personne s'interpose. Ensuite, guérison, tu m'apaises, je suis serein, sereine dans tes bras, je guéris à tes côtés. Donc vraiment, hein, vous prenez donc, les trois euh, qui sont sortis là, cassure, qui es-tu et fardeau, et on vous dit, là il va y avoir de la communication, là il y a une tierce, là il y a une guérison. Okay Ce n'est pas une lecture... Euh, à la suite hein. c'est vraiment là où vous avez choisi celle là vous aurez de la communication là il y a une tierce là il y a de la guérison alors celle-ci la 4 insécurité j'ai peur de te perdre j'aimerais que notre lien soit plus fort ensuite je vais la mettre comme ça la 5 indépendance j'ai besoin d'espace et de liberté j'étouffe ça c'est quelque chose que vous avez pu entendre donc se lancer voilà ensuite Blocage, l'engagement m'effraie, je ne suis pas prête, prêt, j'ai du mal à projeter, à me projeter dans le futur. Donc la 7. Pause, j'ai besoin d'une pause, il faut que je m'éloigne pour faire le point. Attends-moi, je reviendrai. Et la dernière, si vous avez choisi la 8, répétition, un schéma se répète, il faut en sortir. Voilà, les amis, on finit avec un message global. Là, c'était si vous avez choisi la 1, si vous avez choisi la 2, si vous avez choisi la 3. D'accord Ce n'est pas une lecture, euh, euh, on va dire, euh, linéaire. Il hein n'y a, a pas de temporalité. Ce n'est pas une suite. Il voilà, n'y a pas communication puis guérison. C'est, voilà. Vous, êtes, vous savez au moins où vous situez et où se situe votre personne de cœur, si vous en avez une. Euh, si vous êtes toute seule, alors, c'est, tout seul, toute seule, c'est valable aussi. C'est-à-dire voilà vous êtes peut-être axé sur votre guérison, euh, sur un schéma répétitif, etc. Alors hop, je recommence. Qu'est-ce qu'on a pour vous J'ai besoin de toi. Alors, inter euh, interdépendance, mais aussi espace de liberté. Ça peut expliquer pourquoi il y a un besoin de liberté aujourd'hui. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie. Ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Alors, voilà les amis, ce qu'il y a pour vous en stock au mois d'octobre. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Allez voir la vidéo sur la pleine lune, parce qu'il y a ça aussi. C'est une pleine lune dans un signe cardinal avec les nœuds lunaires dans des signes cardinaux. Vous êtes un signe cardinal. Il y a un message, c'est sûr. Voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse regarder tout ça. On se retrouve tout de suite, très vite sur les autres plateformes. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos proches et à très vite. Ciao, ciao